Salut, Nolan. Salut, Léa. T'as presque pas changé. C'est pas comme nous, tu veux voir. Allez, viens, ils t'attendent. Salut, Giuliani. Je suis content de te revoir. J'avais dit 3. Tu vois, on est 4. On peut commencer ? Oui, oui. Voilà ta part, Nolan. On te l'aurait donné plus tôt si t'avais voulu. On a même ajouté les intérêts. Ça fait 40 briques. On pense que c'est correct? Tu peux vérifier. Très bien. Et puis? On n'a qu'un truc à te dire. C'est pas nous qui t'avons balancé. C'est un malentendu. Je vous rappelle que Nolan en a pris pour 10 ans et surtout Pierrot y a laissé sa peau. Tu vas pas nous mettre la mort de son frère sur le dos, non? C'est tout? Non, non, c'est pas tout. Nous, on est prêts à t'aider. Si t'es d'accord, on te prend comme associé. Tu mets une partie de tes briques dans l'affaire, t'auras pas à t'en plaindre. Refuse pas, François. Tu sais où ça va nous mener, sinon. On préférerait éviter ça. T'es témoin, Giuliani. On a proposé un marché. Les témoins. Bon, alors vous proposez un marché, mais lui veut une explication. C'est bien ça que tu veux, non? Allons-y. Il y a 10 ans, vous décidez d'attaquer le fourgon. Les usines Simpson à Mantes. Et c'est toi, J, qui monte le coup. Avec nous? Oui, avec vous. Vous étiez un peu jeune à l'époque, hein? C'était même déjà lourd pour tes épaules, J. Non, c'était pas mal sur le papier, mais enfin. Pour l'exécution, hein? Enfin, bref. Vous allez trouver les frères Nolan, parce qu'il vous faut des professionnels, des vrais. Alors, Nolan a pris l'affaire en main, et le coup a réussi. Et si aujourd'hui vous êtes installé dans vos meubles, c'est tout de même un petit peu grâce à lui. Vous trouvez pas? Au fait, Léa. J'y arrive. Une fois que le fourgon a été ouvert, vous avez réparti le fric moitié dans ta tirgie où t'étais avec Zampa, moitié dans la tienne, Djebel, où t'étais avec Ferrier. Nolan, lui, s'était chargé de vous couvrir. Seulement voilà. Il y a un des convoyeurs qui s'est un peu réveillé. Il a attrapé son flingue. Et il a mis une bastos dans l'épaule de Nolan. Et au lieu de lui porter secours, ben vous vous êtes barrés. Tous les 4. On a cru qu'il était mort. Il était tombé de l'autre côté du talus, on le voyait même plus. Moi, j'étais pas d'accord. Alors pourquoi t'es pas retourné sur tes pas? Moi, je vais te le dire. Parce que le convoyeur était encore au bout du chemin, son flingue à la main. C'est vrai, j'ai eu peur. Mais j'étais pas le seul. On a tous paniqué. Ben, faut comprendre, Nolan. Je crois qu'il peut pas. Bon, ça c'est une chose. Finalement, Nolan s'en tire. On pouvait pas prévoir. C'est vrai. Il pique une bagnole où il va, Nolan? Ben, il va à la villa pour vous attendre, parce que ça c'était prévu. On s'était séparés. J et moi, on était ensemble. Djebel et Ferrier à l'entrepôt. Tous à l'abri. Et comme ça n'avait pas marché tout à fait comme prévu, ben, on n'avait pas à bouger. Ça, c'est toi qui le dis. Non, enfin, je te répète que pour nous, Nolan était mort. Et on avait le fric. On n'avait aucune raison de retourner à la villa pour le partage. T'avais quand même un tout petit peu oublié Pierrot Nolan dans tout ça. Parce que lui, il y était à la villa, étant donné qu'il était chargé de la suite. On s'est dit qu'il rappliquerait quand il nous verrait pas arriver.
Quand Nolan est arrivé à la villa, il a trouvé Pierrot. Parce que de ce côté-là, tout était en ordre. Puis ils ont attendu. 2 heures, ils ont attendu. Jusqu'à ce que le flic des assurances se pointe. Comment il s'appelait déjà celui-là? Valberg. Ah oui, Valberg. Valberg défiguré pour la vie. C'est lui qui a déclaré qu'il avait reçu le coup de fil d'un anonyme, lui disant que les frères Nolan étaient à la villa. Si on y était allé à la villa, on serait fait piéger avec eux. Si vous y étiez allé, comme tu dis, Nolan n'aurait pas été donné et Pierrot serait toujours en vie. Parce que dites donc, vous étiez bien les seuls à connaître l'existence de la villa, hein? Il n'y avait personne d'autre. Et je peux pas croire qu'il y en ait un d'entre vous qui ait eu la connerie de faire des confidences. Alors? C'est justement ça qui est pas compréhensible. Je te le fais pas dire. Lui, en légitime défense, tire une balle dans la tête de Valberg, les flics rappliquent, ils alpaguent Nolan et ils butent Pierrot. Ça fait une drôle d'addition pour une chose pas incompréhensible. Vous trouvez pas? T'interprètes, Léa. C'est vrai, ça. T'es plus arbitre, Léa, t'es juge. Et on n'aime pas tant. Bon, ça suffit. C'est possible qu'un seul d'entre vous soit une ordure, mais... pour moi, aujourd'hui, tous les quatre, c'est pareil. Je ferai pas le détail. Ça veut dire que tu vas chercher à nous descendre? Hein? Les uns après les autres? C'est ça? T'as une autre idée? Salut, Giuliani. Salut, Léa. Salut, Giuliani. Ça sera fini, je reviendrai vous chercher, Léa et toi. On ira faire une balade en Camargue. Je suis sûr que ça vous plaira. C'est comme si tu étais sur un bateau, mais qui bouge pas. Puis il y a des chevaux. Des chevaux qui cavalent tout autour. Tu verras. Ah, les truands, ils sont bien devenus comme tout le monde, hein. La vie facile les a gâtés, alors le sens de l'honneur, la morale... Tout ça pour te dire que t'es sûrement en train de faire une connerie. Giuliani le pense aussi. Ouais, ouais, je sais. Tu peux me garder ça? Oui. Tu devrais repartir, Nolan. S'il pouvait parler, il te le dirait. Parce que ces mecs-là, c'est des vraies ordures, tu sais. Ils peuvent pas se blairer. Mais aujourd'hui, ils sont comme les doigts d'une main. Alors tu vas les avoir tout le temps sur le dos, tu verras. Ils se mouilleront même pas eux-mêmes. De nos jours, t'as un tueur pour 50 sacs. Un super pour 200. Alors s'ils voient que tu décides de raccrocher et que tu te fais la valise, ils te foutront la paix. Mais s'ils voient que tu restes, ils vont se faire du souci forcément, et alors là, ils te laisseront même pas le temps d'en effacer un. T'appelles ça un arbitrage, toi? En plus, j'aime pas ce coin, c'est sinistre. Tu l'as cherché? C'est toi ou moi qui a accepté de venir? Je reconnais, c'est moi. Bon, bah alors, renote pas. Je renote pas, je suis indigné. Et où il est, Jebel? Merci, Giuliani. Salut. Je reviendrai. Je t'accompagne. Macias, va voir. Quand il s'est vu, qu'il a compris qu'il allait rester comme ça, j'ai cru qu'il allait se buter. D'ailleurs, il l'aurait fait si j'avais pas été là. Et après, il s'est dégoûté de tout. Même Paris, il pouvait plus supporter. Alors, il y a 3 ans, j'ai trouvé ce truc-là, entièrement meublé. On n'a rien changé, hein, même pas un bibelot. Il aimait plus qu'il lui rappelait le passé. Tout ce qu'on avait, il a fallu qu'on vende. Ah, mais tu sais, aujourd'hui, toi, tu as fait une vraie fête. C'est vrai, hein? Dis-moi, Léa, j'aurais besoin d'une planque. Ah. Un truc où il y a du monde, mais pas trop. Tu vois? Mm-hmm.